Rebonjour YouTube. J'ai une Switch, mais Gravity Rush n'est pas dessus. Oui, non, mais Gravity Rush, il est même pas surpassé Gravity Rush, donc voilà. Coucou YouTube. T'as, c'est là où sur Twitch, t'aurais pu mettre plein d'émotes aussi. D'accord. Sid, quoi? Non, il est que sur console, PS, Gravity Rush. C'est une exclusivité Sony. Tu es de repos aujourd'hui? Oh putain. Ah bah ouais, il est vraiment en train de souffrir. Tu es de repos aujourd'hui? Je t'ai pas recodé avec ce par-dessus. Hein? Ah ça, classe, hein. J'avoue que par contre, ouais, c'est quand même... C'est quand même cool que demain je ne stream pas, parce que demain, je vais avoir une extraction de voix. Vendredi, normalement, je stream Yu-Gi-Oh! Donc je pense que ma voix va être revenue, et surtout que je vais pas trop forcément ma voix. Par contre, samedi, si vous me refaites un délire auquel tous les membres de la Gravity Buzz se retrouvent, tantôt en plus, si connaissant Queen, elle va ramener tout le monde. Il y a des chances que... je sauve dire à la Queen comme quoi elle va ramener tout le monde. Oh, samedi, je vais avoir une extraction de voix, mais ça va être impressionnant. Ah, ça, glace, hein. Une glace. Tu as devant toi le nouveau membre de l'unité anti-crime Hippocorp. Je suis d'ailleurs inspecteur. Vraiment ? Et c'est bien, non ? Tu veux dire génial ? J'étais promu. Et garde ça pour toi, mais je suis sur une affaire. Ouais, j'ai vu ça dans les journaux. C'est grâce à moi que tu as été promu. Exactement. Tu es arrivé juste à temps. J'ai besoin de ton aide. Cette affaire pourrait propulser ma carrière. Donc il se sort juste de moi pour... Impressionnant. C'est la fête. Non, mais connaissant Queen... Je suis sûr qu'il y a moyen qu'elle le fasse. Elle a déjà fait une fois au tout début de ma chaîne YouTube. J'aurais pas pourquoi elle sera pas capable de le refaire. Mon dieu. Donc je fais le boulot et tu reçois les honneurs. Super. C'est pas une affaire banale. On a une piste sur un grand criminel, alias. Je peux déjà sortir la prime. J'aurais peut-être même une autre promotion. J'ai un plan pour attraper ce voleur. Non, mais ne t'inquiète pas, je te récompenserai. Ah non, oui, d'accord, c'est... attends, c'est ça, hein. C'est d'abord en bas. Non, mais ne t'inquiète pas, je te récompenserai. J'ai un plan pour attraper le voleur. Allez, Kat, je peux compter sur toi? Hey. Tiens, je comprends bien pourquoi tu ne répondais pas à mes appels. Allez, viens, ce n'est pas le moment de draguer. Draguer? Elle? Mais pas du tout. C'est juste une fille que je connais. Ça suffit, au travail. On n'est pas sur une petite affaire, mais sur un gros coup. Oui, chef. C'est quoi? Tiens, je te tiendrai au courant. Allez, Sid, on s'y remet. Oui, chef. Enfin, les bottes. Le fantôme d'Aixeville. Je vais pas tarder à aller dormir dans 20 minutes, je pense. Pas de soucis. De toute façon, vu comme j'ai la gorge en feu, je pense que c'est pareil, je vais pas tarder non plus. Parce qu'il va falloir que je me réhabitue à parler autant comme ça durant les lives. Parce que oui, comme je l'ai dit tout à l'heure à Meg, mais je sais pas si t'étais arrivé à ce moment-là. J'ai vraiment plus l'habitude que ça parle autant sur le chat. Du coup, je n'ai plus l'habitude de parler autant dans le micro. Donc, c'est pareil, là j'ai la gorge en feu. Il va falloir que je me réhabitue à ça. Surtout si vous venez à chaque épisode. Et si Sid, va sur le toit de l'église et ne te fais pas repérer par les patrouilles. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe si mon voix, comme si c'était moi le voleur? Calme-toi, va sur le toit. Je te donnerai le reste des indications une fois que tu seras là-bas. Terminé. Allô? Allô? Mais c'est très mal élevé de faire ça. Mais je pense surtout qu'il y a son chef qui lui jette à côté. Je pense surtout que c'est ça le truc. La police est en alerte maximale grâce à Alias. Elle ne passe pas trop près des agents, ils deviendront méfiants. Enfuis-toi avant que le niveau d'alerte n'atteigne 100. Si tu ne veux pas te faire repérer. Si tu t'aventures dans une zone placée sous haute surveillance, tu seras immédiatement repéré. Veille à éviter toute confrontation directe avec les gardes. La police baissera sa garde si tu restes un moment hors de vue. Il faut faire gaffe parce que ces petites merdes-là, là, c'est pareil, ces trucs-là te repèrent. Donc faut pas passer trop près des véhicules. C'est d'ailleurs qu'il y a déjà un chemin qui est littéralement préconçu. Je vais peut-être devoir descendre un peu. Pas trop non plus. Faut pas que je descende trop non plus. Je viens de voir l'autre passer. Mmh.
Ça n'a pas l'air très surveillé de ce côté-là. Je devrais pouvoir grimper à l'église en passant par ici. Il ne faut pas que je monte trop haut parce qu'il y a l'autre au-dessus là. Il est stylé le saut. Oula, pardon monsieur. Il est stylé le saut qu'elle a fait. Ah ouais, j'ai la gorge en fait. J'ai ma gorge qui est en train de hurler là. Mais allô ? Ah, Sid ! Et maintenant ? Alors, tu vois le parc d'où tu es. Au sommet de la statue de poisson se trouve... Pardon. Au sommet de la statue de poisson qui se trouve au milieu, il y a la gemme qu'Alias recherche. Cette gemme protège la ville depuis longtemps. On ne peut pas la prendre maintenant avec toutes ces tempêtes. D'après la légende, elle renferme une puissance gigantesque. On ne peut pas la perdre maintenant, putain. C'est là où je me pose une question. Mais à mon avis, cette question n'aura pas de réponse. Tu dis que si elle est assez puissante, pourquoi la laisser dehors ? À tes pieds, il y a une fausse gemme que j'ai fabriquée. J'avais créé une diversion pour éloigner la police. Et pendant ce temps-là, tu échanges des gemmes. Compris ? Bien, à plus tard. Mais tu es sûr que... Ah, le plan de Sid est minable. J'espère que tout ira bien. Eh, hey, j'entendais un bruit dans les bois, c'est peut-être Alias. Si tu fais diversion, c'est le moment ou jamais d'échanger les gemmes. Il n'y a pas beaucoup de policiers de ce côté là-bas. Ok, on remonte un peu. En soi, faut juste suivre les gemmes et ce sera bon. Je fais ça, merci. C'est bon, j'ai changé la vraie gemme contre la fausse. Super, je savais que je pouvais compter sur toi. Maintenant, rapporte-moi la vraie gemme dans les bois. Les policiers de garde, retournent à leur patrouille. Attention à ne pas te faire repérer, à tout de suite. Salut Destroy. Salut, ça fait longtemps. Désolé, j'ai eu un gros souci. Non mais y a pas de souci Destroy, hein, t'en fais pas. Hein. De toute façon, Destroy, y a pas d'obligation à suivre mes lives, hein, donc t'as le droit d'être absent tant que tu veux. Ouf, il devrait prendre tout ça plus au sérieux. Il me rend nerveuse. Retrouve Sid dans la forêt. En fait, ça va niveau de l'image. Il y a pas trop de glitch. Mieux vaut ne pas. Ouais, bah, voilà. Du coup, Lois, tu peux me dire ou pas ? Il y a pas trop de glitch. Ouah, c'est intéressant. Ouais, putain, c'est la. Faut que je passe par en dessous. Il est surtout sur les qui-vive. Hein. Ma faute. Je pensais que je pouvais passer pile entre les deux, mais je ne peux pas. Putain, non, pas trop, lui. J'ai juste récupéré ça avant. Nickel. Ah oui, c'est Sid. Je sais, c'est juste que je me suis plus préoccupé du déménagement. Il y a eu un incendie. Ah merde! Oui, ça glitch un petit peu. Ah merde, putain! Putain, mais PSN fait chier là-dessus. Mais c'est rapide, ça dure pas. Oui, mais même PSN fait chier. Je sais pas pourquoi, il y a pas longtemps, tu prends Endless Dungeon qu'on avait fait avec Dark. Il y avait pas glitch, il y avait rien du tout. Et c'est revenu d'un coup, je sais pas pourquoi. Espérant que l'incendie n'a pas été trop grave.
surtout en espérant que vous avez été remboursé avec l'assurance, en espérant que tout se soit bien passé quand même derrière. Bien joué, Kat. Maintenant que la fausse gemme sacrée est remplacée par la vraie, personne ne saura ce qui s'est vraiment passé. Ce sera notre petit secret. Ils lui arrivent tout à coup. Sid, tout va bien? Tu devrais aller au parc. Il y a une petite fête. Tu ne voudrais pas la rater. La gemme m'appartient enfin. Sid. C'est quoi le logo qu'il a fait sur le col? Faudrait que je regarde ça sur l'ordi. Quoi, mais qu'est-ce qui se passe? Tu étais juste là, puis tu as disparu. Et maintenant, tu es à nouveau là. Mais à quoi tu joues? Attends une minute. Je t'attendais, puis tout à coup, je me suis retrouvé par terre. Toi, tu veux dire que l'autre, toi, c'était Alias? Oh non, je viens juste de lui donner la gemme sacrée. Ah, mais c'est pas vrai! C'est impossible! Comment je pouvais savoir qu'il n'était pas toi? Il avait ton visage. Il décide. Où es-tu, idiot? Reviens ici immédiatement, les Navy, ils sont... Ah. Chef? Chef? Mais qu'est-ce qui s'est passé? La situation est grave, on doit retourner au parc, apparemment il y a des Navy. Putain, le bruit des flingues. Ça va le flic? Il t'a rentré le pied, t'es une flic. Il n'y a rien à faire. Ça va le flic? D'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, mais en fait, tout le monde est à terre. Putain, je viens de voir. Ça, ça me bousille une de mes anciennes théories, ça. Tu sais, j'avais dit que Navy n'attaquait que... N'attaquait que 4. Mais en soi... Je suis désolé, mais on ne les a jamais vus attaquer, attaquer d'autres personnes. Ah putain, il y a... La musique est incroyable. Désolé. Pardon, monsieur le policier. Yes, bah non. Ah, là-bas. J'aurais besoin de toi. Un gros plan sur les fessiers de Kai, comme lui, là. C'est bon, il n'y a plus de moustiques. Parfait. Déjà, j'ai peut-être concentré sur le fight, je lirai les messages après. Ah, putain! Comment je suis passé en clochette sur lui, quoi? Voilà. Le remboursement, oui, mais les réparations, ils n'ont rien fait à part envoyer un gars peindre le mur cassé. Donc cette pièce est déclarée condamnée. Ah la vache! Mais c'est quoi, vous êtes propriétaire? Vous êtes propriétaire ou locataire? J'espère que vous êtes propriétaire. Au moins, c'en est fini des Navy. Inutile de... Mais qu'est-ce que vous regardez? Oh oh. Je n'aime pas ça. Attendez, je peux tout expliquer, en fait.
On se calme, pas de panique. Vrai grand, mais j'y prends. C'est seulement un bonbon ? Exactement. Alias a remplacé le trésor par cette énorme boule de gomme, le malin. Elle est forcément de mèche avec lui. Il n'a pas pu faire ça tout seul. Eh bien, non, en fait. C'est un pion. Amenez-la au poste. Chef, je pense qu'elle n'a rien à voir avec Alias. Ah bon ? Et pourquoi ? Si elle était de son côté, pourquoi sera-t-elle là maintenant ? Et pourquoi nous aura-t-elle aidé à combattre les monstres ? Nous serions morts si elle n'avait pas été là. C'est vrai, mais... Laissez-la. Elle en fait plus pour nous que vous, les flics. Ouais, ne la menez pas à cette affaire. Elle est innocente. Nous devons trouver Alias. Il est peut-être encore dans les parages. Lancez les recherches. Allez au boulot. Je veux cet Alias. Allez, allez, allez. Merci, Kat. Ah, même l'autre, il s'est retourné. Bah, c'est de chaise, l'autre, je crois. Mais après tout ce temps, je me souviens des gens d'Exeville qui m'ont aidé. Même après tout ce temps. Je me sentais encore comme une étrangère dans un pays éloigné, mais je commençais à aimer cet endroit. Putain, les mystères étoriés. Tu les sens revenir, les mystères étoriés ? Vous êtes locataire. Waouh, la merde. Ah ouais, ça par contre, ça va être... Le jour où vous voulez déménager... Ça va poser un énorme problème. Ah, tu feras mieux de te concentrer ou tu ne survivras pas à notre prochaine rencontre. Pauvre reine perdue. Ah, j'ai l'occasion de voir le symbole. Putain, je l'ai pas regardé. Depuis le service, ça m'a demandé beaucoup de travail. Merde. Oh putain, tant pis. Putain, je suis en train de penser que j'ai pas fait les dialogues. Je suis vraiment un abruti. Hein. Je vais aller faire les dialogues tout de suite, ce sera fait. Oh, pardon. Bah attends, mais... Oui, toi, t'es plus proche. D'abord, faire toi, t'es plus proche. Bonjour, le chien. Ça va ? Ça va, le chien ? Depuis qu'Alias est revenu, chez la tempête et la névis, ça n'arrête pas. Est revenu, donc il était déjà là avant, ok. Et que font le gouvernement et la police ? Rien, ce ne sont que des feignants. Je n'ai pas grand-chose à répondre à ça, surtout à propos d'un policier en particulier. La gemme sacrée est la seule chose qui nous protège. Qui nous protégeait, pardon. J'espère qu'Alias aura ce qu'il mérite. Il y a vraiment quelque chose au niveau de cette gemme. Hop, je le vois, il est en face à combien. Vraiment quelque chose vis-à-vis de cette gemme. Il n'y avait pas d'agent. Hein. C'est pas moi, j'ai rien gazé. Quelle surprise! J'entends ici comme elle me l'a dit, et pouf! Une jolie fille débarque! J'ai bien fait de la voir cette voyante! Jolie? Moi? Quelle voyante? Zut, j'espère quelqu'un de plus intelligent. Je vais retourner voir l'oracle Pandore. Pardon? Faites, parce que je ne vous aime pas non plus. Bon, et du coup, hop, on va stopper là pour YouTube. Ça fait combien, 19? Ça va, 20 minutes pour YouTube. Contrairement à l'autre qui faisait 40 minutes, ça c'est mieux pour YouTube. Du coup, merci pour ceux qui ont suivi cet épisode YouTube. Et du coup, la suite, ce sera très forcément... Ce sera très forcément... Très français. Ce sera prochainement samedi. Du coup, je vous fais des bisous YouTube. Et puis je vous dis... Enfin, des bisous à la rediffusion YouTube. Pour l'épisode, je vous dis à samedi si le let's play vous intéresse et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu pour le moment parce que c'est un très très bon jeu. Et désolé pour l'épisode 2 auquel il y avait plus de blabla que de jeu en lui-même. Voilà, des bisous, rediffusion YouTube.